Précédemment, dans Miracle Reel. Va te mettre à l'abri, Marinette. Je pense qu'avec la sondage de nouveau Miraculous, oui, c'est tout à fait possible de concrétiser deux personnes en même temps. Faut pas croire que tout le monde me pardonne. Un petit papillon. Il noircit son cœur. Je peux me venger. C'est un plaisir de vous retrouver. Envoie un coup de peinture. Il me semble que j'ai réussi à faire un point exprès à quelqu'un, non? C'est moi, c'est ton frère, rappelle-toi. Mais il faut absolument que je retourne à ma péniche voir si ma soeur va bien. Parce que cette fille-là, cette Rainbow Judge, j'ai aucun signe d'émotion. C'était pas ma soeur. Aucune émotion? Tu restes en sécurité ici. Tu peux faire ça pour moi? Oui. Ma fille avait autrement que moi. Ah, écoute. Allons voir ça. Oh, super ton pouvoir, génial. Maintenant on se retrouve avec une armée de zombies vivants sur les bras. Super, merci, génial ton pouvoir. Mais ça sert vraiment à rien. Bonjour, ici Max. Je suis plongé dans mes recherches, veuillez rappeler ultérieurement. Super, ça sent pas. Bon, plus qu'à aller chez lui. J'ai vérifié, la combattisée que l'on doit affronter c'est bien Carapace, il faut lui faire confiance. Mais n'hésite pas à faire appel à nous à la moindre difficulté, d'accord? Tiens, Sas. J'espère que ça ira. Bon, détruisons pas. On y retourne voir si ça va. Bon, personne à l'horizon. Bonne planque, Lucas. Il faut aller rejoindre les autres. Tu es prêt? Je suis prêt. Allons-y. C'est parti. Sas. Transforme-moi. Vipérien, prêt à libérer les Parisiens. Je vais te sauver, Marinette. Alors, Kay, vous allez bien? Oh, mon petit Elio! Ça faisait longtemps! Comment tu vas? Mais je suis passée il y a quelques jours à la péniche voir Lucas. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Attendez, vous avez l'air de tituber, je vais vous aider. Oh, merci, mon petit moussaillon. Tu sais que tu ferais une bonne épouse. Ah, bonne épouse. Allô, père? Adrien, où es-tu? Je suis au studio photo. Avec les photographes. Et où se trouve mademoiselle Maille? Sacha Maille, ben, elle est avec moi, Sacha Maille. C'est pas du tout ce qui était convenu, Adrien. Mais c'est juste que ben, là, je suis... Il y a du monde et tout, c'est tout va bien. Mais c'est quoi ce bruit, Adrien? Non, mais on est en extérieur pour le shooting. C'est normal de... Oui, tout se passe bien. Oula, attention, il y a un appareil photo qui... Il y a un par terre, pardon? Ça va encore me coûter une blague. Je reviens, père, vous inquiétez pas. Adrien? Plague, transforme-moi! Arrête de marcher sur mes frères! Il est sur ma colère! Dis-toi rien, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en rempart. Ah bah super. Et t'étais occupé à Rainbow Judge? Ouais, faut que j'y aille justement. Ça va aller? Ouais! Ça va le faire! T'es sûr? Je peux y aller? Ouais, ça va le faire! Ok! Tiens! A plus tard, Chanoir! Ouais, à plus tard! Ma chérie? C'est joli chez vous! Vous savez, ma fille, elle s'habille toujours en noir! Mais là, c'est Rainbow Jet! Elle est pleine de couleurs! Allez, on va aller retrouver Rainbow Judge. Mon capitaine! Ah, pardon! Attendez!
Non mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'ils font là encore? Et je crois que vous allez m'aider sur ce coup-là après, hein. C'est qui, Lucas? Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Oh, un lézard. Un lézard? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, bref, on n'a pas le temps. Il y a des acclimatisés dehors, il faut rentrer chez vous, ok? Bravo, Einstein, c'est ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure. Ah ouais? Ça se voit pas. Bah, j'aimerais bien te voir, toi, en train de gérer une personne qui est pas sobre. T'es sûr que tu vas la gérer? Bah, je fais ce que je peux, mais il n'y a pas de super-héros pour m'aider, tu vois. Bah, justement, je vais vous aider, on va rentrer et il n'y a pas de problème. Vous habitez où? J'adore votre couleur. Vous savez, ma fille est pleine de couleurs aussi. Oui, madame. Faut la ramener chez elle, là. Elle est dans une péniche. Dans une péniche? Ouais. Ok, bon, bah, on va aller près de la Seine et... Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il fait encore dehors, celui-là? Bon, bougez pas, je vais gérer le rouquin là-bas et puis attendez-moi ici, ok? C'est qu'il est pas trop mal gaulé celui-là. Oh mais non, mais madame Anarka, mais je vous lâche des yeux 2 secondes, c'est pas possible, vraiment, je... Ah, ah! Mais qu'est-ce que tu fais là, mini-pousse? Quoi, mini-pousse? Tu sais pas ce que c'est? Vas-y, dis mini. Mini-pousse. Ah là, ça, j'ai autre chose à faire. Qu'est-ce que tu fais dehors, toi? Bah, je fais ce que je veux, non? Mais tu vois pas que c'est le bordel dans Paris? J'ai juste mon pote Max qui habite à côté. Mais il y a une alerte Akuma, qu'est-ce que tu comprends pas dans alerte Akuma? Bah, qu'il y a juste des mecs qui se baladent en tenue de super-héros, qui cassent un peu les couilles à tout le monde, mais surtout, bah, je fais ce que je veux. Bon, ok, tu veux aller chez ton pote Max, c'est ça? Ouais, il habite juste là, il habite à l'autre bout de la rue. Bah, je veux bien que t'y ailles, mais je t'accompagne. Oh merde. Bah, y a pas le choix, tu vois bien que c'est le bordel. Mais avant. Ouais. Je vais aller voir ma... Alors, c'est qui? Ta coéquipière? Ta mère? Ta meuf? Ouais, ça... Bref, on s'en fiche. Viens, suis-moi. Eh merde. Mais c'est pas vrai, mais ils sont passés où? Je leur avais dit d'attendre juste là. Ils sont sympas, tes copains. Mais c'est dingue, ça. On vous demande un truc, vous, les Parisiens, vous êtes même pas capables d'écouter. Ouais. Bon, bref, tu sais quoi? On va aller chez ton pote, et puis j'essaierai de les retrouver plus tard. Allez. Sympa, tes potes. S'il vous plaît, aidez-nous. Mais lâchez-moi, on a besoin de moi. S'il vous plaît, allez la rue le plus proche. Ah, j'aime la nature. J'aime les feuilles. On est coincé sur la défensive. C'est cause comme ça, elle va nous échapper. Qu'est-ce que... Tu m'es totalement inutile! Disparais en roi! Mais qu'est-ce que vous avez fait à notre belle planète, hein? Et notre couche d'ozone, vous l'avez complètement abîmée, bande de terroristes! Hein? Ah, après, hein? Arrêtez pas avec les électriques, papa! Gravity! Ah! Je suis désolée. Je vais pas tenir, c'est trop dur. C'est pas grave. Je vais transformer. T'as bien combattu déjà, on continuera sans toi. Ok. Je suis libre de la gravité. Si tu crois pouvoir m'avoir, tu rêves. Je vais utiliser mon pouvoir. Dragon de vent. Ça va? C'est triste, on peut plus perdre. T'as peur de ton âme? Bon travail, collègue. Dragon de feu. Ah, j'ai plus de palette. Bon, je m'en vais. Il est temps de m'éclipser. Bizarre, on a cassé sa palette et elle est encore là. Je comprends pas. On n'a pas vraiment le temps d'y réfléchir. On va la poursuivre avant qu'elle trouve du nouveau matos. Oui. On y va. Ah putain, elle est là. Nickel! Sans son passant, je vais... Putain, mais ils vont où encore, là? Ralentissement! Nino, je sais que c'est toi derrière la tente. Qu'est-ce qui s'est passé? Nino? Je ne suis plus Nino. Je suis la tente. Et je refuse de parler du passé. Toute personne acclimatisée a forcément vécu des expériences négatives. Mais dans ton cas, qu'est-ce qui s'est passé, Nino? Personne n'avait compris que j'étais abandonné. Comme cette montre qui a été abandonnée,
Et elle me comprend, elle ne pourra jamais m'abandonner. Je ne comprends pas le rapport avec cette montre, et je suis sûre que cette personne ne t'a pas abandonné comme tu penses. Je t'ai jamais demandé de jouer les psychologues, ni me faire la morale. J'en ai assez entendu de ces idées à 2,50 €. Personne ne se préoccupe de moi. Il n'y a que cette montre qui compte pour moi. Elle ne m'abandonnera jamais. Nino, reprends-toi. T'es pas n'importe qui, t'es Carapace. Tu es l'ami de tellement de personnes. Je suis sûre qu'ils sont inquiets pour toi. Inquiet. Tellement inquiet que j'étais obligé de me scarifier. Et tu trouves ça normal de se faire abandonner et de se scarifier? Ils avaient peut-être une raison pour ne pas répondre. Peut-être qu'ils étaient occupés. Est-ce que t'as été les voir? Je crois pas, sinon t'aurais su... Oh, bien sûr, ça va être de ma faute. Oh, que je suis bête. C'est toujours la faute de Nino. Fallait y penser, merci de m'en rappeler. Je dis pas ça, je dis juste qu'une discussion entre amis... J'en ai assez entendu, tu fais que gaspiller mon temps. Nino, tu me laisses pas le choix. Si tu veux pas te souvenir du passé, je te forcerai à t'en souvenir. Et du coup, si je me trompe pas, maintenant il reste plus que le selfie sur Instagram et... C'est qui part, hein? Et comment parle tout le temps? Attends, Mariette, mode... Mais oui, c'est une méga bonne idée, Nino! Tu veux prouver que tu es une super-héroïne? Alors prouve-le-moi et bats-toi! Non! Silence! Bon sang, mais où il est passé ce monstre? Je sais pas, peut-être que si on n'avait pas lamentablement échoué, on n'en serait pas là. Ça m'apprendra de travailler avec des stagiaires. Ce ne serait que moi qui serais virée. Oui, bon, j'avoue, mon pouvoir a un tout petit peu merdé. Il est nul ton pouvoir, sérieusement. Allez, on y va. Allez. Je serais très ravi sur le sujet de tout à l'heure, Mme Delancy. Le sujet? Quel sujet? Cette phrase que vous avez prononcée tout à l'heure. Laquelle? Je ne me souviens pas exactement. Je vais vous aider à retrouver la mémoire. Celle qui part de la sécurité de mon fils. Est-ce que vous voulez en faire, Mme Delancy? Oh, je vous en prie, appelez-moi Lila, comme je peux vous appeler à votre propre prénom. Absolument pas. Vous n'avez pas le même niveau que les personnes que je côtoie. Et de toute façon, vous n'avez pas l'état d'accéder à ce statut. Vous avez raison. Je les surpasse de loin. La preuve, j'ai tout de suite compris votre petit jeu. Alors expliquez-moi les règles de ce jeu alors. Soit. Alors je ne vais pas passer par quatre chemins. Je vous ai entendu tout à l'heure. Et il est très facile de reconnaître votre voix, étant moi-même une ancienne akumatisée. Pesez vos mots, ma chère, car sans preuve concrète, il sera difficile de vous croire. Et en plus, si vous tentez quoi que ce soit pour nuire à ma réputation, vous savez très bien ce que je fais, incapable. Vous avez raison. Il serait dommage que d'autres personnes l'apprennent. Alors je vais la faire simple. Je ne veux pas ruiner votre réputation. Bien au contraire, je veux faire partie de votre plan pour détruire les nouvelles. Mais surtout, je veux me rapprocher de votre fils. Avec les amis qu'il a et ses mauvaises fréquentations, ça ne m'étonnerait pas que très bientôt, il s'éloigne de vous. Comment puis-je être sûr que vous n'allez pas avancer vos pions avant les miens? Oh, ça, je ne peux pas vous le garantir. Après tout, l'avenir est incertain. Mais faites confiance à votre instinct. Après tout, c'est moi qui y perds, et ce n'est pas un anodin. Bien, certes. Mais par contre, je vous préviens, il sera facile de nous unir de ses amis, sauf d'un seul. Laissez-moi deviner. La petite souris? C'est exact. J'ai des accords commerciaux très importants avec cette famille. Et de plus, vous devez absolument pas gâcher les fiançailles. Ça fait partie de la clé de votre demain. Très bien. Je ne toucherai pas à vos projets concernant leur famille. Mais j'ai quelques petites urgences à accomplir.
toutes vos relances personnelles et vos masculines moins concernant lui. Faites ce que vous voulez, du moment que le nom de la glace n'est pas associé. Cela va de soi. Faites attention, le moindre écart de votre part et le plan court à sa fatalité. Vous pouvez compter sur moi. À plus tard. Mademoiselle Rossi, cache bien son jeu. J'espère intégrer leur vision. Je suis sûre qu'on est en retard, tout ça par ta faute, parce que tu es extrêmement nul avec ton pouvoir. Hey, ça va, j'ai rien fait, d'accord. Tiens, ce serait pas tes fans, là. Oui, venez là. D'abord, tu vas avoir des gamins, je te laissais pas. Ils sont vraiment prêts à tout pour avoir une photo de toi, c'est limite bizarre. Merci. Mais bon, au moins je m'occupe de l'image publique. Ouais, enfin bon, on va pas non plus vendre son âme juste pour avoir une photo de... Tu es magnifique, Lorraine. Oui. Oh, vous êtes magnifique, je vous adore. N'hésitez pas surtout à utiliser le code promo QUEENBEE sur le site internet pour la crème de jour et dans votre magasin. Je suis comme ça moi aussi. Ouais, Chanel. Hé, roi singe, on aurait besoin de votre aide, vous rappliquer. Oui, excuse, on a été retardé par Madame Queen Bee, qui fait sa reine. C'est pas mon âge, vous les stars. Roi singe, on a besoin de vous, là, maintenant, tout de suite. On a des zombies vivants en plus sur le dos. Et je comprends pas, vous êtes oui, alors là, on a merdé. Mais t'inquiète, juste le temps de prendre ma liane. Bon, bah, prenez pas votre temps, c'est vraiment pas le moment. Continuez à être aussi resplendissante. Encore, ok, ok. Allez, hop, ça dégage. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est mes fans. Ouais, mais bon, c'est pas comme si tu les respectais. Hein. Je les respecte totalement, genre. Je leur signe des autographes, moi, la grande Chloé, et je leur ai donné un code promo exclusif. Si pour toi, une marque sur un bout de papier est un signe de respect, t'es tombé bien bas. Hein. Oh, mais t'es chiant aujourd'hui, qu'est-ce que tu as là? Eh bien, sache que pendant que tu respectes tes fans, sache que le grand chat noir a appelé. Et il nous attend. Donc, soit tu me suis, soit j'y vais seul. Bah, c'est bon, on y va là. Allez. Eh bien, c'est pas trop tôt. Max, c'est encore moi. Et ma fille Oda! Non, pas Fernandella! Tu sais, je suis contente que ma fille essaye de nouvelles choses. Depuis son harcèlement, elle était au plus mal. Mais vous savez, votre fille elle est devenue très forte et elle a des amis sur qui compter maintenant. Oui, c'est vrai. Tu connais plutôt bien ma fille. Et mon fils. Et comment? Je me souviens très bien des cours de solfège avec les deux couffaines. Mais pour Joleka, vous inquiétez pas, elle est bien entourée. Oui, et heureusement, parce que depuis le départ de Rose, j'avais peur qu'elle se renferme encore plus sur elle-même. Je comprends, vous êtes une mère attentionnée, mais se balader ici, c'est dangereux. Vaut mieux peut-être rentrer. Adieu. J'ai la possibilité de voir ma fille différente avec toutes ses couleurs. Je dois aller voir ça au plus vite. Mais c'est pas raisonnable, si vous avez quelque chose. Allons, t'inquiète, ça va bien se passer. Bien sûr. Chloé, où es-tu? Chloé. J'ai pas eu l'occasion de me battre contre elle, mais je peux faire autre chose. Chloé, où es-tu? Elle a disparu. Elle était tellement énervée quand on s'est séparés. Elle m'a pas attendue. Oh, pauvre petite chose. J'ai pas pu l'affronter. Comme c'est dommage. Ça aurait pu être intéressant. Comment ça? Qu'est-ce que tu vas faire? T'es Rainbow Judge. Je veux m'échapper. T'en auras pas l'occasion. T'en auras pas l'occasion. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore?
Je vais vous protéger, madame Koufen. Courez. Passez vite. Oh, comme c'est mignon comme tentative, mais dommage, ça sert à rien. Je ne vous laisserai pas faire. Mais ils sont passés où? Je suis sûre qu'ils étaient là avant de partir. Oh, mais quelle scène splendide! Une pauvre civile tabassée par d'autres civils. Et où sont les super-héros? On ne sait pas. C'est trop tard, petite anguille. Il n'y avait personne pour la protéger. Personne! Toi, on t'a rien demandé, l'imposteur. Tu n'es pas Julieka, encore moins une personne qui ressent des émotions. Oh, je suis si triste que tu me parles ainsi. Mais non, je m'en fiche. Maman, maman. Non, maman, réveille-toi, maman, je t'en supplie. Maman, réveille-toi. T'inquiète pas, Lucas, je m'occupe de lui. Maman, réveille-toi, maman. Maman, réveille-toi, maman. Maman. Chat noir, ma mère. Ma mère, elle bouge plus. Chat noir, qu'est-ce que je peux faire? Pas trop tôt, hein. Vous pouvez pas laisser tranquille le pauvre. Mais non, mais c'est son hobby de porter nos affaires, mais il est trop là. Oh, désolé Kenny, hein, mais t'as un petit haricot, hein, c'est pas ce qu'il faut. Hein. Tu vois, il est content. Voilà. Bon, et sinon, alors, t'as réussi à rendre les clés de ton appart? Ouais, t'imagines même pas la galère, la proprio a essayé de me la foutre à l'envers. Oh là là. Et toi, tu vas faire quoi maintenant? Je pense que je vais rentrer en France avec ma famille. T'es certaine de vouloir y aller maintenant, genre avec les attaques du butterfly ou... Ah non, en français, c'est papillon. J'ai vu l'autre, là, en rouge, la pute à pois. Ah, Ladybug et Cat Noir, c'est ça? Ouais. Il paraît qu'ils ont fait appel à d'autres super-héros. Oh là là, ils sont surboqués, les pauvres. Oh là là, ils ont même coupé leur interview d'hier, tu te rends compte? C'est les amateurs. D'autres super-héros? Lesquels? Moi j'ai cru voir Ryoko, une certaine Lukami, le retour de Rena Rouge et des petits nouveaux comme Viperion, le roi singe et puis Queen Bee. Queen Bee? Ouais, bah ouais, regarde. Vous savez quoi? Je crois que je vais devoir laisser tomber la sortie ciné de ce week-end. Mais on peut savoir ce qui te prend en fait. Vraiment, je suis désolée, je vais devoir rentrer. Quoi? Tant de rentrer dans les détails, mais j'ai une sœur qui vit en France, il s'avère que c'est Queen Bee, donc je vais y aller et je vous tiens au courant. Salut. Faut que j'y aille, salut. Zoé. Ok, anyway. Bitch. En plus t'as vu sa nouvelle coupe de cheveux, sa couleur et tout, elle a trop voulu copier sur toi. Ah, tellement. Non pas. La loseuse. Car tourner en France, ça sera beaucoup mieux. Il est trop beau, Viperion. Oh mais t'arrêtes, oui. Honnêtement... Ah, t'as pas vu celui de chat noir, hein, dans son petit truc en... Oh là là, ça lui fait un cul. Pas comme Kenny.
je suis Plague, le Kwame d'Adrien. Merci d'avoir regardé l'épisode 9 de la saison 2 de Miracle Dream. Nous vous rappelons que nous sommes une web-série d'amateurs, donc pour tous les défauts de production, nous en sommes désolés. Nous avons une boutique où vous pouvez acheter, non pas du fromage, mais des t-shirts ou même des mugs, pour soutenir le projet et même un Tipeee. Nous discutons souvent sur notre Discord et également nous partageons de façon régulière du contenu sur notre Instagram et notre Twitch pour montrer les dessous de la production. Merci de vous abonner à la chaîne Miracle Dream pour voir les prochains épisodes. Bon, moi, je vais me régaler avec un délicieux camembert. Prenez soin de vous et à la prochaine. Restez connectés.